la Namibie. Ce pays aux mille découvertes doté d'une nature spectaculaire. J'ai eu l'opportunité de partir un mois en Afrique et 2 semaines ont été consacrées à la découverte de ce territoire au climat chaud et aride. Je dois vous l'avouer, je n'avais jamais vraiment eu d'intérêt envers la nature africaine. J'ai toujours pensé que c'était un monde totalement touristique et que sa découverte tenait d'une sorte d'égoïsme. Mais après plusieurs années de réflexion, j'ai soulevé mes a priori et je me suis lancé dans cette épopée extraordinaire. Je peux maintenant vous le dire, je ne regrette en rien cette aventure. L'ambiance, l'animation de la vie sauvage, l'histoire des peuples emblématiques et les rebondissements lors de notre parcours ont rendu cette expérience unique et inoubliable. J'espère sincèrement que les images et les émotions que j'aurai capturées vous émerveilleront tout autant que je l'étais à chaque minute de ce périple. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Les premiers jours se dérouleront à Windhoek, la capitale du pays. Après l'atterrissage, nous nous dirigerons directement dans un camp situé à 40 minutes de l'aéroport afin de se préparer avant le grand départ. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et ça commence ici au Urban Camp en Namibie. Incroyable, incroyable, incroyable. J'ai déjà vu des choses superbes, des babouins, des phacochères, des mangoustes ici au camp. Il y a des mangoustes, je viens juste d'en croiser une. C'est une faune qui est juste extraordinaire et j'ai hâte de voir ce que les prochains jours vont réserver. Ça va être très long, je suis ici pour un mois entier, 2 semaines en Namibie, 2 semaines au Botswana. Je suis avec un ami en fait qui organise des safaris ici, on est avec un groupe et donc on va aller retrouver le reste du groupe aujourd'hui. Et puis enfin, la grosse aventure va pouvoir commencer. Mais on commence déjà fort dans un camp qui est incroyable avec déjà quelques petits animaux par-ci par-là, donc ça annonce déjà un petit peu la couleur. Ça m'en fout. L'expérience humaine en plus est déjà vraiment top. Les locaux ici et les gens qui travaillent dans les camps sont vraiment très gentils, très polis. Et ils font tout simplement tout pour pouvoir nous aider quand on a besoin d'aide. Donc déjà, première expérience du premier jour, elle a réussi quoi. Les premiers matins lors d'un voyage sont pour moi très importants. C'est la première occasion de la journée d'aller à la rencontre de la faune environnante. Et même dans un camp situé dans la capitale, eh bien, il y a des choses à voir. Je ne sais pas si vous entendez. Je pense que oui, parce que c'est très très fort. Mais il y a un nombre d'oiseaux qui chantent qui est incroyable. Il y a tellement de sonorités différentes, c'est absolument incroyable. Alors il est actuellement 5h30 du matin, il n'y a personne de levé pour l'instant, le camp est assez calme. Mais en termes de faune, ça explose totalement quoi. Je pensais avoir vu des mangoustes, mais en fait, pas du tout. Ce sont des écureuils terrestres. Alors c'est très mignon parce que ils se font des câlins comme ça, ils se couchent au sol, donc c'est très difficile de les voir, ils se confondent vraiment très bien avec leur environnement. Et là ils sont posés quoi, au soleil, petit bain. C'est très très cool, très 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 cool. C'est franchement magnifique. Bon, je me suis changé parce que la chaleur, ça fait vraiment ressentir pour l'instant. Incroyable, j'ai les écureuils au loin qui se courent après. C'est vraiment génial. Ici, on a le petit déjeuner. Dans 15 minutes à peine, on prend les voitures et on démarre. 5 heures de route, ça va être long, mais ça va être bien. C'est parti.
C'est parti pour le premier jour de route à travers les paysages namibiens. Direction une réserve privée située dans le sud de la Namibie, où nous passerons notre première nuit en tente de toit. Cette journée fut très importante pour moi. Je savais que notre pistage m'amènerait à observer certaines espèces pour la toute première fois. Les oryx, les girafes ou bien encore les zèbres. Mais avant de parler d'animaux, regardez-moi ces paysages. Et le moment tant attendu arriva. Les toutes premières rencontres. Ici, c'est vraiment qu'un échauffement. On voit beaucoup d'animaux, mais on en verra encore plus dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc ça va vraiment être fou. Et la réserve est juste magique, quoi. Elle est juste magique. Aujourd'hui, c'est une journée un peu tranquille, finalement. Parce qu'on a fait beaucoup de routes. Maintenant, on s'est posé dans la réserve. On va aller dormir dans un camp où on a déployé les tentes. On va passer une bonne nuit. On va peut-être avoir des animaux qui vont passer juste à côté des voitures. Ça risque d'être pas mal, ça aussi. Et puis demain, on redémarre tôt au matin. Et ensuite... change de localisation, quoi. C'est tranquille et puis en même temps c'est du rush chaque jour, mais c'est palpitant. Première matinée dans la réserve. Lever de soleil bien juste avoir lieu. On dépasse vraiment légèrement l'horizon ici. L'ambiance est assez folle. Il n'y a pas eu d'animaux. Assez facilement. Par contre, en termes d'oiseaux, c'est très 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 cool. Il y a beaucoup de présence aux alentours. On va bientôt lever le camp, 2 heures de route. Et on va partir pour voir des dunes. Ça va être top ce matin, pas trop de bêtes, pas trop d'animaux, surtout des oiseaux. Mais le lever de soleil était vraiment sympa, donc c'était cool. Notre prochaine destination se trouve être un des lieux les plus emblématiques de la Namibie, les fameuses dunes des Sossusvlei. Mais bien avant, et car la route est déjà une aventure en elle-même, j'ai pu faire la rencontre de nombreux animaux sur le chemin. Arrivé au camp, au lodge, on va aller visiter les dunes. Il y a plusieurs dunes qui sont juste à côté, on a une 60aine de kilomètres à faire. C'est sur des routes assez compliquées, hein, des routes graveleuses, donc ça va nous prendre une bonne petite heure, mais ça va être sympa. On est quand même en plein canard là, il y a le plein soleil. Donc on va voir ce que ça va pouvoir donner en image, mais nul doute que ça va être spectaculaire.
parti. On a fait du total hors piste pour atteindre notre destination finale, la Dead Vley, une sorte de cimetière d'acacia totalement asséché. Ce lieu est absolument magique de par la beauté de ses paysages, mais pas seulement. Malgré son caractère fortement hostile, la vie reste malgré tout présente car elle a su s'adapter aux conditions. Et c'est à ce moment qu'un rêve qui m'était auparavant inconnu fut réalisé. Observer des oryx sur fond de dunes contrastées au coucher de soleil. C'était juste magique. Je vis littéralement chaque journée comme une aventure à part entière. Notre planète est remplie de lieux plus impressionnants les uns que les autres, et l'émotion que cela me procure que d'enfin pouvoir poser mes yeux sur cette terre est juste indescriptible. À l'heure où j'écris ces mots, je me rends compte que je suis vraiment heureux de documenter mes voyages. Ça me permet d'avoir un regard bien plus authentique sur mes souvenirs. Les deux prochains jours vont se dérouler dans un environnement totalement opposé au lieu précédent. Mais avant de quitter le camp des dunes, nous avons eu une petite visite précédant notre départ. J'étais en train de me faire un thé, et on m'a prévenu, il y a à peine une minute, qu'il y avait des oryx qui étaient en train de traverser l'espace ouvert juste à côté du camp. Il y en a trois qui sont en train de traverser. C'est super. Aussitôt les tentes pliées et les affaires rangées dans la voiture, nous partons pour la prochaine destination. On va tout doucement se rapprocher de l'océan Atlantique pour atteindre Swakopmund, une ville côtière qui nous réserve des observations bien étonnantes. Mais il n'y a pas que les flamants roses qui peuplent ces eaux. Après une bonne heure de route sur le sable, nous partons observer une colonie d'otaries au large des plages. Et ce qui est vraiment fou là, c'est que il y a un bébé qui vient juste de naître. Donc il y a encore le placenta, il a quelques minutes. Il fait ses premiers pas, entre guillemets, sur le sable. C'est génial. À l'extrême opposé de l'environnement précédent, l'endroit où je continue mon aventure se veut bien plus sec et généreux en paysages rocheux. Je vous présente
le Speedscope. Aujourd'hui, on vient d'arriver au Speedscope. C'est un endroit très minéral avec énormément de formations rocheuses. Je pense que ça se voit assez bien. Et ici, l'aventure pour la journée, ça va être de monter ce rocher juste là. Alors, ça se voit pas très bien à la caméra, mais c'est très pentu. Et ici, il y a une famille de damans des rochers qui y vit, donc je vais essayer de monter cette pente et on va tenter de faire quelques images. Ça peut vraiment être cool, je pense. Deux individus qui sont en train de me regarder, c'est assez drôle. Je suis encore un peu monté. Et là, je suis en face de plein de damans des rochers. C'est vraiment top, on peut voir qu'ils sont vraiment pas farouches. Il y a quelqu'un qui se trouve 2 mètres juste en dessous d'eux et ils bougent pas quoi, c'est juste génial, vraiment c'est incroyable. Et il y a toute une famille, de nouveau ici, il y a vraiment une autre famille. Et cette fois il y a des jeunes, faut les trouver, faut les voir. Il y a plusieurs raisons qui expliquent à quel point ce voyage m'a marqué. Afin que vous les compreniez au mieux, je vous propose de les diviser en 3 chapitres. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue dans le Damaraland. Nous partons explorer la rivière Ouab. C'est un lit de rivière qui est très rarement rempli d'eau, et quand c'est le cas, c'est bien souvent de manière éphémère. Mais c'est ce qui permet malgré tout à la végétation de pousser et d'offrir de la nourriture à la faune locale. Et si l'on peut y retrouver plusieurs espèces, une en particulier attirera notre attention, les éléphants du désert. Et on va espérer voir des girafes et des éléphants du désert où on se dirige actuellement. Cette journée était déjà extrêmement forte en émotions.
mais il n'y aura jamais assez de mots pour exprimer l'intensité des observations qui m'attendaient. Malgré leur imposante présence, je ne me suis jamais senti inquiet à leur côté. La douceur d'âme de ces êtres a quelque chose de rassurant et atteste de la sensibilité de cette espèce. Il m'est difficile de me dire que des hommes décident parfois de la vie de cet animal. Alors, je me demande bêtement ce qu'il dirait si sa voix pouvait porter jusqu'à nos cœurs. On vient d'arriver au campsite à Itosha. On est enfin rentré dans la réserve et on a vu des choses mais incroyables, incroyables. Des animaux mais tous les 15 mètres. On a vu des groupes de zèbres, des groupes de springbucks, on a vu des girafes. Et là, on vient juste d'arriver et on a entendu qu'il y avait un rhinocéros sur un point d'eau qui se trouve juste à côté du camp. J'y suis allé et c'était incroyable. Itosha est un parc abritant une richesse faunique très importante. Il faut dire que la protection dont elle bénéficie et les points d'eau mis à disposition de la faune attirent inévitablement une foule d'espèces différentes. Honnêtement, je pourrais réaliser un film rien qu'avec les images que j'ai pu capter dans ce parc. Mais là n'est pas le but. J'adore partager des histoires, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est les vivre. Alors, je vous emmène avec moi à la rencontre du roi de la savane. Il y a une règle fondamentale à Itosha qui est de ne pas sortir de la voiture. C'est pour cette raison que toutes les observations réalisées se feront dans notre propre véhicule ou durant un game drive. Un game drive, c'est une sorte d'activité avec un guide à la recherche des animaux. C'est assez intéressant car on a la possibilité d'apprendre énormément de choses auprès de personnes passionnées et passionnantes. Étant donné qu'ils connaissent ce parc comme leur poche, eh bien, ils savent où aller pour rendre l'expérience encore plus palpitante. Ni une ni deux, après une heure de route, nous avons réalisé une première discrète observation de lion. Et si nous étions déjà extrêmement contents d'avoir pu observer cette famille de lions, rien ne laissait présager ce qui allait arriver seulement quelques minutes plus tard. On était sur la route, on a vu plein d'animaux, et ici, on approche de la fin du game drive. C'était juste magique. Et encore là, à l'instant, il y a des animaux qui traversent la route. On va ralentir tout doucement. C'est des impalas.
Incroyable. Zèbre, gnou, impala, il y a de tout, c'est des mix de tout. C'est juste incroyable, on a eu tellement de chance aujourd'hui. Quand il fait aussi chaud, dans des après-midi pareils, je dois l'avouer, je prends pas toujours la peine de sortir voir s'il y a des animaux, mais dans ce lieu-ci, en Namibie, il faut le faire, il faut tenter l'expérience, il faut tenter de voir des choses, parce que c'est comme ça qu'on peut voir, comme ici, un lion en train de se reposer, une famille de lions en dessous d'un arbre. Voilà, c'est juste magique, c'était une après-midi de dingue. On vient de commencer le game drive du matin, et ça commence déjà de la manière la plus folle possible. On a potentiellement la famille qu'on a vue hier, ici, qui est en train de se déplacer. Il y a une lionne qui vient de traverser la route. Il y a le mâle et des jeunes et d'autres femelles qui arrivent. C'est juste incroyable. Finalité au chat, c'est fini. C'était juste exceptionnel, vraiment c'était exceptionnel. Et maintenant on va se diriger vers Waterberg. Donc on a plus ou moins 3-4 heures de route. On était en train de rouler et on a vu une énorme forme noire sur la route. C'était un babouin. Et là on est entouré de babouins partout. Il y a des jeunes, il y a des grands. C'est difficile de les voir parce qu'ils sont dans les arbres. On vient juste d'arriver au campsite de Waterberg. C'est un endroit qui est magnifique comparé aux autres endroits dans lesquels j'ai déjà pu aller durant ce voyage. C'est beaucoup plus vert, il y a beaucoup plus de végétation. Normalement, cet après-midi, vers 4h, on va partir pour un game drive afin de voir les rhinocéros. Et alors, il y a un truc ici que j'apprécie fortement, c'est qu'il y a des actions qui sont faites en faveur de la préservation de cette espèce. Donc, tout ce qu'on peut acheter dans les shops ou toutes les activités qu'on peut faire, il y a une partie de ce qu'on paye qui va aller pour la préservation de cette espèce-là. Et là, ça va être la folie, quoi. Honnêtement, ça va être incroyable. J'ai trop, trop hâte. Ici près des rhinos blancs. On est descendu de la voiture, on est à pattes, on est vraiment à pied. Ils sont à une vingtaine de mètres de nous. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Ici, le guide expliquait que jour et nuit, il y a des rangers qui surveillent les rhinos. Parce qu'il y a eu un cas où un des rhinos a été braconné. Donc maintenant, ils sont surveillés H24 pour éviter ce genre de situation. Ce qui est une bonne chose parce que ça peut aller très vite en quelques minutes. Surtout dans un environnement pareil où la végétation est dense, haute. Les braconneurs peuvent faire ça assez facilement. Deux cellules familiales ici, et juste devant nous il y a le gros mâle de la deuxième cellule. Il s'est fait une petite douche de terre juste avant, un petit bain de terre.
Ça y est, c'est terminé. Le voyage en Namibie se finit ici à Windhoek. Il n'y a honnêtement pas les mots pour expliquer tout ce qui s'est passé. C'est surtout des sensations, des ressentis. Être à une telle proximité des éléphants, kayaker avec des otaries, marcher aux côtés de rhinocéros blancs, puis observer ces cellules familiales, ces différentes cellules familiales de lions, lionnes et lionceaux. Ça a été juste incroyable. Toutes les rencontres que j'ai pu faire avec les différents animaux, ça a été exceptionnel. Les scorpions, les serpents, la nuit, les différents oiseaux. Je n'aurai pas le temps d'être nostalgique parce que dans quelques jours, je repars pour une grosse aventure. Le Botswana, ça s'annonce être plus sauvage. En attendant, j'espère vraiment que vous avez aimé les images que j'ai pu faire. J'espère que vous verrez tout le cœur que j'y ai mis, toute la passion. Et j'espère vraiment que vous ressentirez tout le bonheur que j'ai pu ressentir lors de chacun des moments de ce voyage. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et on se revoit très vite pour de nouvelles aventures.